Salut tout le monde, c'est Nanin, et oui, vous ne rêvez pas, je suis là, je suis de retour, et j'espère que je suis de retour pour de bon cette fois-ci. Bon, je suis de retour, et où est-ce que j'en étais la dernière fois? Telle est la question, j'ai pas regardé. Alors, il me semble qu'il nous fallait un espèce de mot de passe ou une clé pour passer. Et que j'ai vérifié vite fait la dernière fois que c'était pas celle qu'on avait déjà, mais qu'il fallait trouver une là-dedans. Je suis déjà passé par là, d'ailleurs c'est déjà nettoyé. Ok, donc ça c'est l'ascenseur. Déjà passé par là, effectivement. J'ai un sentiment de déjà vu, mais bon. Est-ce que ces trucs sont invincibles? En tout cas, ils sont quasiment insensibles aux attaques physiques. Donc, on va utiliser technique. Cyclone, ça c'est bien. Non, c'est trop physique. Lance-flamme. Ah, voilà. Est-ce qu'il faut utiliser rafale? Voilà, comme ça je pourrais en toucher deux. Fusion chimique avec un allié proche. Qu'est-ce que ça fait mal? Ok, au moins ça s'est fait technique. Laser, voilà. Première fois que j'ai fait cette attaque. Et c'est trop physique pour eux. J'espère que ça va les achever. Ah ah, un level up, un autre level up. Il va falloir que je regagne de la vie. Donc si ça déclenche des monstres. Est-ce qu'il faut pas que j'aille là? Comme je suis monté. Ah, je suis là 5, il faut aller encore plus bas. Mais il me semble que. Il me semble qu'on est déjà allé ici. Oui, et donc c'est là qu'il y a besoin du mot de passe. Ok, donc il faut que je trouve le mot de passe. Très bien. Il me semble avoir tout exploré, mais bon. Ah d'accord, donc faut que je revienne en arrière. Non, je prends un ascenseur, c'est plus rapide. Ok, donc là c'est le moment où il va falloir meubler. C'est longtemps que j'ai pas meublé, tiens. Attends une seconde. Puisque ça mène là. Et que l'ascenseur mène aussi ici. La question est. La question est évidemment comment je fais. Tourne en rond, d'accord. Et comment cela se fait? Avant que je puisse aller encore plus haut. Oh, voilà. Très bien, je ne suis pas coincé, donc. Ah, c'était des mobs. Ah, je peux les esquiver, cool. On va essayer de prendre l'autre ascenseur. Ah, lui, j'ai pas le choix. Ok, ah, je dirais que je suis plutôt jamais allé là vu qu'il y a un coffre. Ok, donc on va continuer d'explorer. Ok.
intéressant, mais je suis paumé, donc on verra bien. Donc je peux pas aller là. Ouh, c'est un vrai bien ici. Nouvel arc, qui utilise les arcs? Ok, donc là c'est le moment où je dois meubler. Donc meublement en cours. Pour l'instant, je pense que la priorité. Tu me bloques le passage. Je pense que la priorité ça va être Chrono Tiger. Voilà. Je vais essayer de faire 2-3 vidéos de Neptunia et de vous les poser parce que j'en aurai plusieurs. Interagir là? Il y a un bouton, gros bouton, j'ai envie d'appuyer dessus. Et donc une fois que mon trailer sera terminé, et bah j'aviserai. Ok, un mob. Et bah pour l'instant on va attaquer. C'est efficace, donc il est pas incité aux attaques physiques. Il fait un peu mal. Ah, si vous voulez que je zappe les combats, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, parce que pour l'instant vous n'êtes pas trop actifs dans les commentaires. Faut dire, vu la régularité des vidéos, c'est pas trop étonnant, mais quand même. Oulala, ils sont un peu plus nombreux. On va essayer d'utiliser technique, la rafale, est-ce que ça va? Non. Le cyclone, voilà, le cyclone ça a touché, touché. On a quand même essayé d'économiser un peu les MP. Ah, donc sinon j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi ça va, je suis pas au soleil en tout cas. Ça reste largement supportable. Donc c'est les vacances pour beaucoup de monde. Je sais pas si c'est les vacances pour tout le monde. Ceux qui sont pas en vacances, je suis désolé. Ouais, non, faut profiter, faut profiter. Bon. Ah, je suis vraiment obligé de tous me les taper. Puis il y en a par derrière. Ouais, on attache dedans en même temps. Ce combat, je sens que je vais le couper. Ou pas, ça dépend. D'ailleurs, je trouve rien de bien intéressant ici. Quoi, il est un peu bas là. Ok, alors hop, technique, rayon soin sur chrono, parce qu'il y en a besoin le pauvre. Ça rend combien? 112? Ouais, ça va. J'aurais peut-être pouvoir finir là. Très nombreux. Faudra que j'en cherche combien de temps? 9 minutes? Ah, ça faisait longtemps, je sais plus comment meubler moi. On perd l'habitude. Allez, plus qu'un. Quoi, il y en a encore un. Ça en finira jamais. Ah non, c'est bon. Ouh, on va essayer de le plein quand même, parce que franchement le combat il a fait mal, hein.
Ok. Oh là là, encore. Essayer de les esquiver, ceux-là. Non, c'est un échec. Par contre, là, je pense que avec la rafale, je pourrais peut-être, voilà, en toucher 3 d'un coup. Avec le lance-flamme aussi. Il en restera plus qu'un. Ah, ce qui est bien qu'on puisse toucher plusieurs ennemis, c'est un élément intéressant. C'est un élément très intéressant. 89. Comment t'as réussi à endormir un robot? Ah, la cohérence, la cohérence. Bon, moi, eux, c'était rapide. Ah, donc il y en a au-dessus. J'ai pas pris ce coffre. C'est. Non, finalement, non, je vais pas le prendre. Ok, donc je peux accéder là et là. Bon, bah, porte de droite d'abord. Hein. Oh, plein de petits coffres. Alors, tiens, les trucs. Qu'est-ce qu'il y a là? Code d'activation de la crue, col 00XABB. Ah. Je vais prendre des notes. Prendre des notes de papier qui traînent là. Alors, 00 on a XA, 01 on a BB. Il manque des trucs, donc il va falloir aller de l'autre côté. Ouh là là. Et non. Ah. Alors, on va se concentrer sur un. Essayez de pas trop faire traîner celui-là. Au pire, celui-là, je vais le couper. À 256 quand même. Un peu vite, hein, j'ai fait 80, faudrait 3-4 coups. Non, non. Et voilà, c'est réglé. Là, j'ai pas vu de qui, bon, c'est pas grave. Tiens, cette fois, je vais quand même bien réussir à les esquiver. Une tente et un éther. Guide d'utilisation de la crue. Au signal sonore, ceci dans l'ordre d'une combinaison de deux boutons parmi les quatre boutons suivants A, B, X, Y. Alors, je suis en piste des codes de la crue. Voyons voir. Il y avait alors A et X. Non, mauvais bouton. Si dans la connaissance de deux boutons parmi les quatre boutons suivants, A, B, X, Y, donc j'avais XA, XA, au signal sonore, j'entends pas de signal sonore. Ok, j'ai essayé d'appuyer sur B pour sortir, mais apparemment ça a fonctionné, je sais pas comment. Ah, c'est pour enlever.
Ah, j'ai dû faire le code BB. Parce que j'ai appuyé frénétiquement sur B pour pouvoir sortir de la grue. Faut que je fasse X. Pour pouvoir faire frénétiquement. Ah non, ça c'est Y. Je crois. Je me suis en plus de l'option des touches. Ah voilà, Bon, le signal sonore, j'ai pas compris comment il fonctionnait, mais apparemment j'ai réussi. Donc maintenant je devrais pouvoir passer. Ok, normalement j'ai fini. Donc là je peux sortir, ok. Hop, je suis totalement en infiltration. Bah je sais, ça se voit pas, j'ai pas de carton, mais quand même. Alors, quoi que je repasse par là. Quand même essayer de les esquiver cette fois. Et bah non, toujours pas. Je peux pas fuir. Essayer de fuir. Pas même fuir. Comment je fais pour fuir? Comme ça. Un bouton pur fuir, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ouh, j'ai tous touché avec Rafale. Ah bah. Au moins ça c'est fait. Par contre, j'ai pratiquement plus de MP. Donc il y aurait un boss bientôt, c'est mieux que j'utilise un terre. Ok, donc maintenant je peux passer. Ah d'accord. Donc normalement je peux passer. C'était où j'étais coincé? J'étais coincé quelque part par là. Voilà, j'étais coincé là. Attends, je peux passer. Je peux aussi passer là. Je peux... Ah ouais d'accord. J'aurais pu directement redescendre ici. Ok. Je fais un détour pour rien. L'épée foudre. Ouh. Ouh. Ok, 2. Gagne 2 d'attaque, c'est mieux que rien. Code de dévorage de la porte secrétée, mot de passe. Z. Passe ZABI. Ah non, non c'est la colle Zabi, c'est X. A, B, Y, c'est noté. Maintenant, faut que je retourne à la porte du chemin inverse. Du chemin inverse. Chemin inverse qu'il faut mieux que je fasse dans ce sens-là plutôt. Je ne sais pas quoi sert cette porte là-haut, mais bon, c'est pas grave. Je connais le chemin en espérant que je peux esquiver. Non, j'ai misérablement échoué. Un bouton. Bon, pas une rafale qui permet de toucher deux. Non, bon, on va faire un cyclone. Hein. C'est tout focus sur un, c'est plus rapide puisqu'ils sont trop loin. Ils font pas trop mal. Hein, je pense qu'il y a des parties du combat que je vais un peu couper. Je vais voir ce que ça donne. Je vais expérimenter un peu. Hein, ça faisait tellement longtemps. Je sens que je radote en fait. Il faudra peut-être que je vienne avec des idées de trucs à raconter pendant la vidéo parce que là, le meublage laisse à désirer. Oui, bon, on va encore redescendre. On va redescendre au plus profond des profondeurs profondables.
2, cela ne veut rien dire. Et je vais enfin réussir à ouvrir cette foutue porte. Il aura fallu de taper un donjon entier rien que pour cette porte. J'espère que ça vaut le coup. C'est le mot de passe. Alors c'était X A B Y. Mot de passe. Voilà. C'est pas le bon. Ah non. Ah, c'est cette porte qui a été déverrouillée. Il y avait un truc que j'ai appuyé au pif. Peut-être que j'aurais pas dû. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, est-ce que je cherche, y a pas de panneau pas touché hein. Ouh là là, il s'excite. C'est l'état d'urgence. Le système de sécurité s'active n'importe comment. Il faut partir immédiatement. Ok, bah... Bon, bah... Ouh, on a eu chaud. Non! Vite! Dépêchez-vous! Hop, on lui est passé au travers, ok, LM. C'est bon, t'es vivant? En vivant un tel grand mot. Ok, bah... Dans ce genre de situation, ne jamais prendre l'ascenseur. Prenons l'ascenseur. État d'urgence, l'ascenseur. État d'urgence, l'ascenseur hors d'usage. Merde. Je le savais, il fallait pas le prendre l'ascenseur. Ah, merde, c'est pas comme s'il y avait un timer. Trop bien un timer. Hop là, faut tous retaper. Bon, au moins, il a pas l'air d'avoir de mobs qui ont respawn de manière aléatoire. Ah, j'aurais dû me taire. Oh, ce sont mes compagnons. R64Y, R-67Y, R-69Y, vous êtes tous sains et saufs. Je suis si heureux. Boum! Dans ta face! Que faites-vous? Tu es défectueux, tu n'es pas notre compagnon. Je suis défectueux. Affirmatif, il y a une défaillance dans ton système. Défectueux, je suis défectueux. J'arrive pas à faire différent de votre robot, c'est chiant. Aurais-tu oublié notre mission? Toute personne qui s'introduit sans permission dans cette usine doivent être éliminées. Tu veux dire que c'est pour accomplir une telle mission que j'ai été conçu? Disparais, tu nous fais honte. Boum! Oh le pauvre! Mais qu'est-ce que vous faites? Faut que j'agisse, oui, faut que j'agisse. Arrêtez! Putain, merde, c'est bon? S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Et faut que je fasse quelque chose. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, ok. Mais tu vas mourir! Faut que je fasse un truc. Pas moyen de rater tout ça. Non, 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 bouge, bouge, bouge. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu l'emmènes? Robot! Non! Nous allons maintenant éliminer les intrus. Oh putain, ils sont 6, ça va être chaud. Ceux qui vont être éliminés, c'est vous! Oui, sauf qu'on est plus que 2, ils sont 6.
Ok, alors. Cyclone. Voilà, bonne chose, technique. Lance-flamme, est-ce qu'il y a un moyen? Voilà, donc je fais plusieurs en même temps, c'est le seul moyen. Trop gros bruit, pouvez nous soigner? Ah, j'ai oublié de compter sur mes potions. Déjà à 25 minutes! On va encore continuer encore un peu, ça faisait longtemps. Alors. Ouais, cyclone, c'est bien. Voilà. Et là, le lance-flamme. Voilà. Hep, 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 là, je suis. Mais je suis pas un. Je suis pas un ballon de volée! Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais ça va, tranquille, les mecs! Voilà! Bonne chose de faite. Un dernier petit lance-flamme et ça devrait être réglé. Bon, c'était pas si dur au final. Je pensais que c'était un peu le boss vu qu'ils étaient 6 et qu'on était plus de 2. Mais au final, ça s'est bien passé. Robot! Il est coincé! Ok, tu joues cela. C'est affreux. Il est en très mauvais état. Je ne sais pas si je vais pouvoir le réparer. Tout d'abord, transportons-le jusqu'au dôme de Prométhée. Il m'a l'air un peu lourd. Bon, au moins, on n'a pas à se taper tout le chemin. Mais ça doit être long. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter, hein. Pourras-tu me réparer? Ne parle pas, ça ira. Vous essayez de changer le monde? Je n'en ai aucune idée. Non, je n'ai aucune idée dans quoi nous sommes lancés, mais c'est l'objectif. En fait, robot, que vas-tu faire une fois que je t'aurai réparé? Ce que je veux faire. Oui, quoi? Tu es resté ici pendant pas mal de temps, en panne. Il doit bien y avoir plein de choses que tu voudrais faire, non? Tu es la première personne qui me demande une telle chose, Luca. J'ai pas dit le play chat plutôt. Enfin, bref. C'est un robot. Bonjour. Robot, je suis si heureuse que tu ailles mieux. Beau travail, Lucha. Tu es incroyable. Ce fut une opération un peu difficile. J'espère ne plus jamais avoir à faire ça. Lucha. Non, c'est robot qui parle. Lucha, je sais que je veux faire. Non. Antonin, apprends à lire mon cher nana. Je sais ce que je veux faire, je veux vous accompagner. Ah bon? Vraiment? Moi aussi, j'aimerais voir comment tout cela va se passer de mes propres yeux. Je veux vous aider à redonner espoir aux humains. Non, redonner vie à cette planète. Alors allons-y, le portail est là-bas. Eh les gars, allons-y. Allons-o. Ok, on ramène un robot du futur au KLM. Ok, mais où est-ce qu'on a atterri? Où sommes-nous? Ah, tu me le fais pas dire. On dirait de l'eau, une plateforme. Tu peux bouger? Eh bah, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Bon, comme ça faisait longtemps,
et que je n'ai jamais réussi à avoir une outro stable et bien définie, on va la faire comme d'habitude au pif. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes content que je sois de retour. Et donc, pour fêter ça, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo, c'est le plus important. Et surtout, je vous dis à la prochaine !